T'es à côté. T'es à côté. Là, ça. Ah, ça, c'est du jus d'orange. T'es sûr que c'est du jus d'orange? C'est du jus. C'est... T'es sûr? Qui te dit que c'est du lait ou du jus d'orange quand tu le touches? Je sais pas, mais tu c'est sais pas une brique. C'est une brique, on est d'accord. Sentir déjà? Sans... Et tu dis, on dit après, d'accord? Tu sens? D'accord. Sylvain? Oui. Vas-y, je te mets devant ton nez. Tu sens quelque chose? T'as senti? Plus près du nez? Alors des fois, comme je ne sais pas trop ce que c'est, je fais, je secoue ma main et je sens. Et alors? Peut-être que vous ne connaissez pas bien ça. Vous faites passer votre bout, d'accord? Alors, tu donnes à toi déjà? Tu touches ça et après tu passes à tes voisins. Est-ce qu'on peut dire déjà la réponse? Pas tout de suite, justement. On attend que tout le monde ait touché. Sinon, c'est pas facile. Drôle. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Mais c'est normal, tu vois. Ah non. Alors, c'est bon? Si. Tout le monde a touché? Alors, c'est une boîte de CD. Ouais. CD. Okay. Ouais. Alors, je vais le ranger. Il faut bien toucher avec les deux mains pour connaître les choses. Hein. Et tu passes à tes bottes. Hein. C'est une statue gréco-romaine. C'est bon? Tout le monde a trouvé? C'est un frisbee. Ouais, voilà. Super. Attention! Ah, face. J'allais toucher aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, ça pique, hein. J'ai trouvé. C'est mon Ludivine. Ah. Non. Ouais, c'est bon. Une pâte de pain. J'arrive pas à lire le braille. Pas bien. Ils lisent lentement. Alors que nous, comme on a appris tout jeune, on arrive à lire plus vite. Là. Et après, vous allez sortir votre feuille, vous allez retourner et vous verrez. Si vous, en regardant l'alphabet, vous pourrez voir si c'est juste ou pas ce que vous avez fait. C'est-à-dire le A ici et le A ici. Avant, il n'y avait pas d'objectif. D'accord. Oui, ben, de façon à ce que. Ces petits carrés, c'est qui les a fait avant? C'était déjà. Ah, c'était déjà. Donc le A, ça va être deux points, à droite aussi. Voilà, regarde, tu fais comme ça, regarde, tu fais des points. Tu suis là, et là le C, c'est deux points en haut. Tu mets tout en haut. Voilà. Et après, tu vas essayer d'écrire ton nom. Alors, E. Ça se lit comme ça. Ah, oui. Mais... Vous verrez que le chien, il a un harnais sur le dos. Et quand il a son harnais, c'est qu'il est en train de travailler. Et quand il n'a pas son harnais, c'est comme un chien normal. Il joue, il s'amuse comme n'importe quel chien.